Profite pour vous dire donc que ce webinaire est enregistré. Donc vous le retrouverez sur le site de la Digital Learning Academy pour les abonnés. Et que dans le message que vous recevrez automatiquement demain, il y aura aussi le lien pour revisionner le webinaire si vous le souhaitez, ainsi que les supports que je vais utiliser pour vous les présenter. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien ce qu'il y a actuellement à l'écran et que vous m'entendez bien et nous allons démarrer. Merci d'abord d'être avec nous ce matin. Voilà, alors on va essayer de découvrir un peu la façon de moderniser et de revisiter la conception pédagogique, qui est souvent un point très important dans le développement de formation. Et en vous présentant donc une méthode que nous avons expérimentée et utilisée à nombreuses reprises et qui prouve certaine efficacité, je vais essayer de vous la présenter ce matin. Mais avant tout, on va essayer de voir que quelquefois, les problèmes qu'on rencontre viennent de l'initial. J'ai l'habitude de dire que quand ça commence mal, c'est rare que ça finisse bien. Donc on va essayer de voir ce qui peut faire qu'un projet démarre mal. Ce que j'appelle un peu quelques distorsions cognitives dans le cadre d'un projet. Alors, je vais prendre un exemple, ce qui se passe des fois en informatique, vous allez voir, vous avez peut-être retrouvé des cas que vous aviez pu vivre. En conception, ce qu'on imagine souvent et ce qu'on craint le plus, c'est les reproches, les critiques. On devrait se préoccuper de savoir si on va faire un dispositif efficace et agréable. Quitte à recevoir quelques critiques, mais souvent, effectivement, c'est notre première crainte, c'est de recevoir des critiques, et donc on vise souvent la perfection pour éviter d'avoir des critiques. Alors j'ai symbolisé par cet avion ce qui pourrait être la perfection, quelque chose de fiable, de sécuritaire, d'efficace, de rapide, voilà, de moderne. Alors que quelquefois, on aurait pu se contenter de cette petite chose-là. Pour atteindre éventuellement les objectifs. Donc, en conception, ce qu'il faut essayer d'éviter, c'est de faire un peu trop de surqualité pour essayer de se protéger par rapport aux craintes. Alors, je vais prendre un petit exemple, voilà, de ce que vous avez peut-être déjà vu. Alors, imaginons que on transpose ça dans un projet, voilà ce que voudrait le client, un truc pour se balancé sous un arbre. Ce qu'on écrit dans le contrat, c'est souvent quelque chose qui a tendance à nous protéger un peu, c'est-à-dire qu'on minimise un tout petit peu la demande du client pour être sûr de pouvoir y répondre correctement. Si on est dans le cas d'un programme informatique, hein, pour transposer cet exemple, voilà ce que l'analyste pourrait interpréter du contrat et ce qu'il pourrait transmettre aux équipes. Donc voilà ce que le programmeur pourrait écrire, éventuellement, hein, en ayant compris la demande de l'analyste. Vous voyez qu'on commence à s'éloigner un petit peu de la demande initiale du client. Et puis voilà ce que la mise au point a fait parce que il y avait un petit bug dans la réalisation. Donc on a été obligé d'ajuster un peu le projet. Bien évidemment, les tests montrent que tout va bien et qu'on est même pratiquement au-delà de la demande du client. Et pour revenir sur ce que je disais, quand on tend souvent à faire de la surqualité, il faut pas forcément écouter la demande exacte du commanditaire ou du client, parce que voilà ce qui aurait peut-être pu suffire. Bon, cette anecdote vue, on va essayer de s'attaquer un peu plus à la formation et à la conception pédagogique. Cette introduction était là pour montrer que souvent on pouvait s'éloigner un peu de l'objectif. En formation, ce qu'on veut, c'est former les gens, c'est-à-dire les transformer, faire en sorte qu'après la formation, ils ne soient pas les mêmes qu'avant, qu'ils connaissent quelque chose de mieux, de plus, que s'ils faisaient des erreurs, ils ne les fassent plus, que s'ils pensaient quelque chose qui était faux, bien maintenant, ils pensent quelque chose de correct. S'il leur manquait une compétence, qu'ils aient le début de cette nouvelle compétence. Voilà, ce qu'on veut, c'est changer les gens. Et l'objectif, c'est ça. Et pas plus. Pas retirer de gloire, retirer d'éléments qui pourraient être effectivement extrêmement valorisants, mais faut pas perdre de vue que l'objectif c'est former les gens et juste former les gens. Donc en général, on mène son projet, on conduit son projet avec une méthode
qui vise à faire en sorte que tout se passe bien et que le produit final corresponde à la demande initiale et aux besoins. Enfin, ça, c'est en théorie. Vous allez voir qu'en pratique, il peut y avoir quelques différences. En tout cas, pour des projets et des projets complexes comme les projets de formation et de formation à distance, formation digitale ou même des projets de formation classique, on a tendance à avoir une conduite de projet peut-être un peu rigide. Alors, comment est-ce que vous y prenez? On fera peut-être une prochaine fois un webinaire un peu plus interactif où je vous poserai des questions, je vous donnerai la parole. Là, le sujet étant un peu vaste, malheureusement, j'ai pas forcément laissé de place pour ces questions-là, mais vous avez plusieurs espaces dans la Digital Learning Academy pour vous exprimer, notamment le groupe sur LinkedIn, sur lequel on pourra éventuellement poursuivre la discussion. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant ce webinaire. Comment vous y prenez? Ben, j'ai déjà la réponse, en fait, parce que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on pratique ce genre de choses, et vous avez dû voir dans les propositions commerciales ou dans les sites web qui présentent les activités des acteurs de la formation, des méthodes qui vous sont exposées de conception pédagogique qui ressemblent souvent à ça. Alors celle-ci est très détaillée, mais grosso modo, on passe par une phase où on fait la conception générale avec un synopsis. Ensuite, on fait une conception détaillée, écran par écran. Puis ensuite, on fait un prototype, on fait une maquette graphique, et puis une fois qu'on a validé tout ça, ben on se dit que on ne peut plus faire d'erreur puisqu'on a tout défini et qu'on a tout validé, et on se met à produire. Et puis éventuellement, comme on est très confiant et que on est même peut-être quelquefois un tout petit peu prétentieux, on pense qu'il n'y aura que quelques ajustements, on appelle ça comme ça, à faire avant la validation et la livraison finale. En fait, cette méthode-là, elle a juste comme objectif d'éviter les deux risques principaux qu'on identifie dans un projet de conception et de production de formation, c'est que ça coûte plus cher que prévu et que ça prenne plus de temps que prévu. Donc, en fait, cette méthode de gestion de projet, elle a principalement comme objectif ça, éviter que le projet ne déraille, mais pas forcément comme objectif que la formation soit la meilleure possible. L'efficacité pédagogique n'est pas forcément inclue et directe sur cette gestion de projet. Alors la question qui m'est posée, est-ce que je ferai parvenir les supports? Oui, ils vous seront livrés avec la restitution du séminaire et le support sera livré. Alors voilà, comment ça se passe en théorie? Ben, en général, on a une phase de conception, hein, on a détaillé avec un synopsis, un scénario. Ensuite, une phase de production où on fait une petite maquette pour se mettre d'accord sur l'aspect que va avoir la formation, puis on produit les modules de formation, puis on fait les tests, puis on livre. Ça, c'est en théorie. Et vous voyez qu'en proportion, on passe un temps, un tiers, un quart du temps en conception, et puis presque la moitié en production. Mais entre la théorie et la pratique, souvent, il y a un petit décalage. Et pour ceux qui produisent ou qui ont produit, je pense que ce que je présente là ne devrait pas les surprendre. Voilà, en pratique, ben là, dans le moment de la conception, quand on fait la conception générale, le synopsis, on fait une première version qu'on soumet, et puis là, on se rend compte que le client avait oublié des objectifs, qu'ils étaient mal formulés, que finalement il y en a d'autres, que voilà. Donc on fait une V2 du synopsis, où on essaie de donner la structure générale de la formation, les objectifs auxquels cette formation va répondre, et des intentions pédagogiques, la façon dont on va les traiter. Puis on entame la phase de scénarisation détaillée, où on va s'attaquer vraiment au fond, chaque étape va être décrite, avec son aspect, la méthode pédagogique utilisée, la façon dont on va l'évaluer, le temps que ça va prendre, le niveau de sophistication graphique, ou ergonomique ou interactif qu'il va y avoir, et puis on fait un premier scénario et on y passe pas mal de temps parce qu'on essaye d'être exhaustif et précis. Puis là, on se rend compte que les experts n'ont pas tout dit, qu'il n'y a pas qu'un point de vue d'expert, que ça ne suffit peut-être pas, qu'il manque des choses et que ce qu'on a cru comprendre n'était peut-être pas la bonne façon de le transmettre et la bonne façon de l'expliquer, de le faire comprendre et le faire s'approprier. Donc on revoit sa copie, on fait un scénario V2, ce qui prend pas mal de temps, et puis là on se rend compte que plus on creuse le sujet,
Et plus on découvre des petites subtilités, des petites difficultés, et qu'on n'aura absolument pas le temps de régler tous les problèmes. Donc on s'attaque au plus gros, et puis on fait un scénario V3, et puis là on dit stop, parce que maintenant on commence à être en retard, et il va falloir commencer à travailler et à produire. Donc on va se faire une petite maquette pour donner un aspect. Alors la question qui m'est posée, qu'est-ce que je fais comme différence entre un synopsis et un scénario? Je vais vous donner un exemple. Alors on va dire que on est dans le domaine du cinéma et que je suis dans la phase de synopsis. Donc je vais vous dire, la synopsis va. Voilà ce qu'il y aura écrit dans le synopsis. Il y aura écrit c'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui ne se connaissent pas, qui se rencontrent au bord d'une plage. Ils vont tomber follement amoureux. Voilà, ça c'est le synopsis. Après, dans le scénario, on va rentrer dans le détail plan par plan du film. Et puis, il y en a peut-être un qui va dire, Monsieur Garça Mustang le long de la plage, Madame lui saute dans les bras et la musique fera Shabadabada. Voilà, ça c'est le scénario. Et on va rentrer dans le détail. Voilà pour la réponse à la question. On en était à notre scénario V3. On commence à sentir un peu la catastrophe qui arrive. C'est-à-dire qu'on a passé beaucoup, beaucoup de temps en conception. Et on voit le chrono qui défile par rapport à la date de livraison et les jours qui sont consommés. Donc, on fait vite une maquette pour expliquer à quoi se ressemblera le module de formation. Puis bien évidemment, on l'ajuste, on fait une V2. Et là, normalement, on commence à se rendre compte, quand on a les choses sous les yeux, que autant on aurait pu faire tous les efforts qu'on veut pour essayer de se transposer dans le futur, c'est-à-dire le produit existant en train d'être utilisé par l'apprenant, pour voir si on avait bien fait la conception. Puis finalement, non, on se rend compte que il n'y a que quand on a les choses sous les yeux. Qu'on met le cerveau sur on et qu'on se rend compte que bah, il fallait peut-être prendre certaines choses différemment. Mais c'est trop tard parce qu'on a validé le synopsis, on a validé le scénario qui peut éventuellement aller jusqu'au storyboard de Nathalie, c'est-à-dire où on a fait la description écran par écran. Et puis donc on fait, ben il va falloir commencer à produire. Et même si on se rend compte que ben, on aurait peut-être pu faire autrement, peut-être un petit peu mieux. Mais on est pris par le temps et on produit les modules. Et on les produit tous d'un coup parce qu'on pense que d'être dans une logique industrielle où on fait tout d'un coup, et ben ça va faire gagner du temps. Et puis les tests qui auraient dû servir à ajuster et à mettre au point, finalement, ils ne servent juste qu'à régler les problèmes techniques qui font que ça ne marchait pas bien ou que ça marchait pas du tout. Donc, on est plus dans du debug que dans du test et de la mise au point. La livraison qui devrait se faire normalement dans la sérénité, avec la possibilité de communiquer, faire du marketing de la formation, etc., finalement, elle se réduit à intégrer vite les modules dans la plateforme si ils sont dans la plateforme. Une question qui m'est posée, est-ce qu'il y a en amont de ça une phase de cadrage? Oui, il y a une phase de cadrage où on essaye de décrire un certain nombre de choses, mais en général, on cadre la méthode plus que le résultat attendu. Voilà. C'est un autre débat, il y en aura peut-être l'occasion de le traiter dans un autre webinaire. Alors le constat, c'est qu'on passe beaucoup de temps en conception, on fait beaucoup d'itérations, on prend en général du retard, on consomme trop de jours. Et puis en production, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le temps que de faire qu'une seule version et ça doit être la bonne. Donc il reste uniquement du temps pour la correction. Et ça, on a tous conscience que faire juste du premier coup, ça n'existe pas. En formation présentielle, ça n'existe pas qu'un formateur fasse exactement le même cours en salle à la 20e fois qu'à la première. Quand on a la possibilité de revenir sur un document, on ne se contente pas de la première fois. La première fois, c'est un brouillon. La deuxième fois, c'est un peu mieux. Et la troisième, on s'approche de quelque chose qui est très correct. Donc, la production de modules de formation, en général, on vit dans l'utopie que la première version est la bonne parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup de temps pour réfléchir avant. Alors certes, ça peut beaucoup servir de réfléchir, mais ça n'évite pas de se tromper et d'avoir de fausses bonnes idées, voire de mauvaises idées. Et c'est malheureusement que quand on le produit et qu'on le soumet aux apprenants, qu'on se rend compte finalement que on aurait pu faire mieux, mais on n'a plus le temps, on n'a plus les moyens. Donc ça, c'est le constat. Comment est-ce qu'on peut gagner du temps donc en conception pédagogique pour arriver le plus vite possible à l'étape où on pourrait s'apercevoir que l'idée n'est pas bonne ou qu'on aurait pu en avoir une meilleure? Alors comment on va gagner du temps?
Bah, c'est pas une invention phénoménale, puisque la question a déjà été posée dans d'autres domaines, et notamment dans le développement informatique, qui a quelques similitudes avec la conception et la production de contenu de formation. Et les méthodes agiles permettent de régler ça. Alors on s'est inspiré de ça et on a adapté la conception et la production de contenu de formation avec ces méthodes. Donc le principe. Et celui-ci, il est extrêmement important, le premier, c'est de s'approprier le contenu et ne pas se laisser influencer par les experts. Il faut avoir une agilité avec la matière, avec le contenu, avec le sujet, qui vous permet de contredire, de mettre de l'esprit critique et du libre arbitre par rapport à ce que les experts ou les contenus existants vous donnent comme vérité et comme certitude. Il faut être capable de se rendre compte qu'il y a des choses qui sont exposées d'une certaine manière, mais qui sont peut-être pas la meilleure façon d'apprendre pour ceux qui n'y connaissent rien. Et il faut surtout concevoir selon son propre point de vue. La conception pédagogique, ce n'est pas de la médiatisation, ce n'est pas de la paraphrase de quelque chose qui vous a été donné par un point de vue d'expert ou un ouvrage ou une formalisation existante du contenu. Si vous voulez avoir un vrai rôle de conception pédagogique et de valeur ajoutée, il faut que vous trouviez en tant que professionnel de la formation, expert, pédagogue et formateur, la meilleure façon d'apprendre par rapport à vos cibles, à leur contexte, à leurs connaissances, à leurs prérequis. Et ça, c'est un vrai travail imaginatif et créatif, alors que le reste, c'est un travail rédactionnel ou d'illustration, si on fait la paraphrase de ce qui a été donné. Donc ça veut dire qu'il faut éventuellement changer le vocabulaire qui vous a été fourni pour démarrer par un vocabulaire beaucoup plus simple mais plus proche et plus compréhensible par les gens et progressivement introduire du vocabulaire sophistiqué ou compliqué. Voilà, donc c'est un vrai changement. Une astuce pour se rendre compte si on est dans un état d'aisance par rapport et d'agilité par rapport au contenu, c'est est-ce que le synopsis, vous êtes capable de l'écrire sans réouvrir un document qui vous a été fourni au préalable? Ou est-ce que vous pourriez éventuellement expliquer simplement en 5 minutes de quoi on parle et quels sont les objectifs avec juste un stylo et un paperboard sans avoir besoin de remontrer des documents ou des supports qu'on vous a fournis? Si vous êtes capable de ça, alors vous êtes dans un état suffisant d'appropriation du contenu pour être capable de le vulgariser et le transmettre. Ensuite, le principe, c'est de produire rapidement et tester ses idées. Et produire rapidement et tester, ça peut être, et on va le voir après, avec des formes extrêmement sommaires, élémentaires et basiques, mais simplement pour se rendre compte que ce qu'on a comme idée de transmission et la façon d'expliquer les choses, c'est une bonne idée et qui marche bien et qui peut être compris facilement. Ensuite, donc, on passe par une étape où on valide et on garde tout ce qui semble être une bonne idée. Et on jette tout ce qui semble être une pas très bonne idée, voire une mauvaise idée. Et on utilise le temps qu'on a gagné pour améliorer et finaliser avant la première diffusion. Donc les objectifs, c'est à peu près gagner 20% du temps en conception-production. 20%, ça paraît peu, mais c'est vraiment énorme. Voilà, l'objectif, c'est de gagner du temps pour être en mesure de pouvoir jeter 20% de ce qui ne vous convient pas. 20%, ça peut vous paraître énorme de dire qu'il y a un truc sur 5 auquel vous avez pensé qui n'est pas bon, mais quelquefois, malheureusement, c'est presque plus que ça. Donc, si on gagne 20% de temps en conception, on peut produire 20% de plus, puisqu'on a gagné du temps. Donc, l'objectif, c'est de produire tout de suite, gagner du temps en conception, produire tout de suite beaucoup de choses, avec une version extrêmement sommaire, extrêmement simple, mais qui permet au moins de tester l'idée, tester l'intention pédagogique ou la façon dont vous voulez exposer les choses et exprimer. Donc sauter pas mal d'étapes de formalisation pour arriver plus vite à un résultat. Il est beaucoup plus facile de crayonner, dessiner, de faire une version sommaire de quelque chose. Les gens vont comprendre où vous voulez les emmener et de quelle manière vous voulez les emmener dans la compréhension et l'appropriation, que de décrire d'une manière exhaustive dans un PowerPoint ou un Word ce qui devra être exécuté au final. Toute cette étape-là, elle n'est pas inutile. On peut continuer à faire comme ça et ça marche encore très bien. Sauf que ça enferme un petit peu dans un process où vous n'avez plus le droit à l'erreur. Il faut que la première version soit la bonne.
Voilà, donc on va garder du temps pour améliorer, finaliser, c'est-à-dire qu'on va faire un, deux étapes de validation et d'amélioration avant d'arriver à la version finale. Donc le processus, il est itératif, on a des idées, on rédige, on formalise très rapidement quelque chose pour pouvoir le tester, on produit, on fait tester et on valide. Ce qui est bon, on le garde et on l'améliore. Ce qui est mauvais, on le jette et on repart sur une phase d'idéation où il faut avoir une autre idée et si possible meilleure. Je ne vais pas lire tout ce qu'il y a à l'écran parce que vous savez le faire, mais j'ai pris la peine de formaliser un certain nombre d'astuces et de points clés qui vous permettent, dans la première phase de conception, de savoir dans quel état d'esprit et comment s'y prendre pour être capable de raconter l'histoire, c'est-à-dire de mettre en scénario, de mettre en perspective la matière et le contenu que vous devez produire. La deuxième étape, la rédaction du scénario, le découpage en pages. Là aussi, je vous ai mis un certain nombre de points clés et des éléments de réussite que je ne vais pas détailler puisque vous aurez le support après. La seule chose sur laquelle je vais intervenir, je vous dirais, n'utilisez plus PowerPoint, s'il vous plaît. Pour la conception de documents de formation, n'utilisez plus PowerPoint. Donc, je vais prendre juste une minute pour vous expliquer pourquoi. Je n'ai rien contre PowerPoint, c'est un très bon outil, même s'il est perfectible, et que je trouve que c'est dommage de ne pas l'avoir perfectionné depuis si longtemps, ne serait-ce qu'à avoir des feuilles de style. Bon, point. Mais pourquoi ne pas utiliser PowerPoint? Si vous avez déjà utilisé une tablette, un smartphone, que ça soit pour suivre des contenus de formation ou pas, vous êtes rendu compte que le geste le plus naturel et qu'on fait souvent, c'est de défiler. Parce que les écrans, se sont réduits avec les tablettes et les smartphones, et donc ce qui était interdit avant le scrolling sur un écran d'ordinateur n'est même pas facultatif sur une tablette ou un téléphone, c'est obligatoire, c'est indispensable. Et quand vous concevez une formation, si vous voulez qu'elle soit jouable sur une tablette, ben vous allez forcément mettre moins de choses sur un écran parce que les écrans sont moins grands. Donc vous allez être obligé d'avoir une expérience utilisateur où pour consulter la totalité d'un contenu, il va falloir défiler. Et vous voyez où je veux en venir. PowerPoint, ça ne défile pas. PowerPoint, c'est une petite diapositive, un petit espace bien délimité qui ne peut avoir qu'une seule taille et surtout qui ne peut pas défiler. Ça veut dire que si vous concevez avec PowerPoint, bah vous allez être obligé de saucissonner votre contenu en diapositive. Vous allez être obligé de réduire ou de découper ou de faire des ruptures à un endroit où ça n'a aucun sens d'en faire. Et surtout, comme c'est ça que vous allez donner pour la production, c'est ça qui va être produit. C'est-à-dire que vous allez produire des petits écrans, des petites diapositives. Et aujourd'hui, sur une tablette ou sur un écran d'ordinateur, ce n'est plus du tout comme ça qu'on raisonne. On raisonne sur un contenu qui peut avoir une longueur variable et qu'on fait défiler. Voilà, point. N'utilisez plus PowerPoint, c'est un piège. Pour la mise en forme, là, on pourrait faire un webinaire totalement consacré à cette partie-là. La forme est là pour renforcer le sens, pour faciliter la compréhension, l'appropriation. Alors, vous savez tous qu'on comprend mieux par un petit schéma les notions essentielles. Quelquefois, il faut le compléter par du texte, des exercices, d'interactivité, etc. Mais la forme, est là pour, objectif de donner du sens. Pas forcément pour être joli, si en plus c'est joli, pourquoi pas, mais vraiment il faut repartir du sens, de la symbolique, etc. J'ai mis aussi sur cette page quelques exemples et quelques astuces qui pourraient vous aider. Et puis la quatrième phase, c'est la phase la plus importante, comme la première, celle d'avoir la bonne idée, parce que c'est là qu'on va la confronter à la réalité. Et là, je vous demanderai d'être avec vous-même, sans pitié, si vous travaillez en équipe. Faites des validations croisées, ça vous permettra d'être sans pitié avec vos collègues qui vous le rendront bien. Mais voilà, il y a quatre questions à se poser, beaucoup plus si on voulait, mais j'ai voulu simplifier et résumer ici. Mettez-vous à la place de l'apprenant, suivez votre contenu, essayez d'oublier ce qui vous a amené à ce résultat-là. Donc c'est beaucoup plus facile si vous corrigez le travail d'un collègue, mais mettez-vous à l'apprenant et posez-vous les quatre questions. Est-ce que, une fois que j'ai consulté ce qu'on m'a mis sous les yeux, que je l'ai utilisé. Est-ce que j'ai compris ce qu'on attendait de moi? Est-ce que j'ai compris ce que je devais faire? Comment je devais interagir avec ça? Je devais simplement lire? Ou est-ce que je devais cliquer? Ou est-ce que je devais essayer de mémoriser, etc. Et qu'est-ce que je dois retenir? Qu'est-ce qui était important? Qu'est-ce qui était facultatif?
sur quoi je devais concentrer mon attention, qu'est-ce que je pouvais me permettre d'oublier, voilà. Et surtout, est-ce que l'objectif d'apprentissage est visé? Hein, en phase de synopsis, en général, on dit un bon objectif pédagogique, c'est être capable de. Bon ben, une fois que j'ai fait cette activité pédagogique-là qu'on m'a soumise, est-ce que je suis capable de faire ce qui était défini comme objectif? Voyez, soyez sans pitié, intransigeant, parce qu'il, par expérience, je peux vous dire que ce n'est pas évident, pardon, d'avoir les réponses à ces quatre questions. Est-ce que je sais vraiment ce qu'on attendait de moi? Est-ce que je sais là où je devais concentrer mon attention pour retenir l'essentiel? Est-ce qu'on m'a dit clairement ce que je devais faire? Est-ce que je devais être passif? Est-ce que je devais être actif? Est-ce que je devais noter des choses qui me seront utiles plus tard pour un quiz, par exemple? Voilà. Si les réponses sont pas évidentes, bah reprenez la conception et l'étape 2, parce qu'il va falloir revoir des choses pour être plus clair. Et c'est là où c'est intéressant, parce que comme vous avez gagné du temps, et bah vous pouvez revenir sur les choses et améliorer. Une fois, deux fois s'il le faut. Voilà. Maintenant qu'on a vu qu'il fallait concevoir rapidement et produire rapidement, alors avec quel outil on va produire rapidement pour mettre à l'épreuve son contenu, à l'épreuve du test, pour répondre aux quatre questions et savoir si on est allé dans la bonne voie. Donc je vous ai dit qu'on faisait une conception, une scénarisation extrêmement courte et rapide, on ne rentre pas dans le détail et on gagne du temps en rentrant vite dans la production de contenu. Alors il y a plein d'outils qui pourraient vous permettre de rentrer rapidement dans la production de contenu pour tester vos idées. Et là, je ne vais pas vous donner une longue liste de logiciels, parce qu'il y en a des outils qu'on a tous et qu'on maîtrise parfaitement bien. C'est notre main et c'est le papier. Donc, n'ayez absolument pas peur de faire un vulgaire schéma sur le papier, de faire un gribouillis sur un paperboard, de faire, même si on n'a aucun talent graphique, de se lancer dans la création d'une illustration qui sera certes moche et bien faite, bien meilleure dans la phase de production par un graphiste. Mais tout ce qui vous permet, filmez-vous. Prenez votre téléphone, filmez-vous, filmez une manipulation que vous êtes en train de faire, etc. Prenez des moyens extrêmement simples pour faire un prototype de votre intention pédagogique et testez ça auprès de personnes qui vont vous dire si, en répondant aux quatre questions, est-ce que je sais ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois retenir, et est-ce que l'objectif est atteint. Si vous pouvez vous rendre compte que votre intention pédagogique faite à base de bricolage, j'utilise ce terme-là exactement comme ça, de bricolage, vous permet de dire oui, je suis dans la bonne voie, alors passez à la phase de production avec de vrais outils, avec des gens compétents, avec des graphistes, avec des développeurs, etc. Mais vous, en conception pédagogique, contentez-vous d'outils ultra simples à utiliser pour produire vite un prototype de votre idée, de votre intention pour pouvoir la tester. Voilà. Alors, produire vite avec quel outil? Je pense qu'on traitera ça lors d'un prochain webinaire. Des questions me sont posées. Si on n'utilise pas PowerPoint, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Word. N'importe quel outil qui permet de prendre des notes, de dessiner, de griffonner. Voilà. PowerPoint, si c'est vous faites un jour importer PowerPoint dans un outil comme Captivate, etc., vous n'aurez juste qu'un PowerPoint un peu mieux que PowerPoint, mais ça sera du PowerPoint, toujours. Et ça sera toujours des diapos, surtout, mais pas de scrolling. Donc pas de PowerPoint. Vraiment, je vous incite à dessiner, à griffonner, à vous filmer, à prendre deux, trois photos, à les imprimer et mettre des flèches dessus en conception. Voilà. En production, c'est d'autres outils que vous pouvez utiliser. Il y a plein d'outils formidables pour concevoir. Je ne vous inciterai qu'à vérifier un seul critère, c'est est-ce que c'est responsive design et est-ce que ça fonctionne sur une tablette? Voilà. Sinon, posez-vous la question de savoir si l'outil a une durée de vie importante ou pas. Voilà, il est 12h01, on a commencé à 31, donc on a respecté le timing des 30 minutes. J'ai été un peu vite, c'est un sujet compliqué qu'on vient juste d'effleurer. Donc si vous avez envie de poursuivre la discussion avec nous, n'hésitez pas. On a un groupe LinkedIn sur la Digital Learning Academy, sur lequel il y a une discussion lancée sur ce sujet, alors allez-y participer. Le webinar, c'est un des 12 services de la Digital Learning Academy. Il y en a plein d'autres.
Il y a un chat tous les mardis de 11h à 12h30, de 11h30 à 12h, pardon. Il y a un blog de veille, il y a des newsletters, il y a des participations à des événements physiques qu'on organise. Voilà, n'hésitez pas à faire connaître si vous avez bien aimé ce webinaire. On en fait un par mois. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt sur d'autres outils, sur d'autres supports et pour d'autres thèmes des webinaires. Ils sont annoncés jusqu'à l'été et vous recevrez des invitations pour les membres de la Digital Learning Academy. Je vous remercie beaucoup de votre attention et très bonne journée.